Là, quand c'est comme ça, risque d'infection trop important, hein. Alors, je sais pas ce qui est le plus dangereux, se faire attaquer, se faire mordre par un zombie finalement ou vivre dans cette maison. Je vous laisse le choix dans les commentaires, hein, vous me dites. Hein. Yo tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, nous retrouvons pour la suite de House Flipper, les amis. Et oui, l'épisode précédent, on peut le dire, vous a vraiment plu avec Michael Myers et il vous a aussi stressé tout comme moi. J'étais vraiment pas bien durant l'épisode, j'étais hyper stressée. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je vous avais demandé précédemment dans les commentaires quelle maison vous aimeriez que je fasse. Et il y a pas mal de maisons qui ont été notées, hein, dans les commentaires. J'ai retenu notamment la maison de la famille nombreuse, elle était pas mal. Maison inoccupée aussi. Et il y avait aussi la maison. Alors attendez, je vous dis pas. La maison inondée. Donc là, pour cet épisode, j'ai fait une maison un peu plus petite que les autres, puisque elles ont pas mal de mètres carrés. Celles-ci, elles me demanderont beaucoup de temps, étant donné qu'après je dois partir. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc je vais faire la maison inondée, du coup, puisqu'elle m'avait été beaucoup demandée dans les commentaires. Maison à rénover entièrement suite aux récentes inondations. Les propriétaires la cèdent pour pas cher. Ça pue. Parce que quand on voit la gueule, comment c'est pourri, comment c'est moisi. Voilà. On va acheter la maison sans plus tarder, les potes, et on va aller là-bas directement. D'ailleurs, je pense même qu'on aurait pu se permettre d'acheter l'autre maison en même temps. Comme ça, c'est fait. Ah ! Y a pas une musique un peu bizarre ? Ah non, ça va. C'est quoi cette merde ? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez, on peut passer un coup là? Ah, mais on peut passer un coup, d'accord. Ah, mais... Oh non, ça veut dire qu'il va falloir qu'on... Oh, ça veut dire qu'il va falloir qu'on nettoie tout l'extérieur. Eh ouais. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir qu'on rénove même l'extérieur, en fait. Vu que tout est pourri. Oh la vache. Ah, j'ose même pas rentrer dedans. Ah, mais ça va être la mort. Bon bah, on y va, hein. On va passer juste un petit coup là. En fait, ça va... Bah, bien sûr, passer un coup de balai dans le jardin, mais c'est tout le monde le fait, hein, effectivement, tout le monde le fait. Allez, c'est parti, on va ouvrir, on va voir un peu l'état de la baraque. Alors, oh là là, mais tout est pourri. Ah. Ah, mais l'odeur qu'il doit y avoir, parce que c'est de la pourriture sur les murs. Ah, il doit y avoir une odeur. Oh, puis... Ah, oh, mais ils ont chié sur la cuvette. Ça se... Oh là là. Oh là là. Oh. Ah non mais attendez, j'ai dit que finalement je préférais prendre l'autre maison, mais en fait c'était peut-être une connerie. J'ai dit que je prends une petite maison pour pas perdre trop de temps. Oui et non finalement. Oh, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas possible, il y a une tempête. Il y a une tempête, ils ont pas voulu nous le dire. Qu'est-ce que c'est que c'est que... Bah c'est en fait de la merde achetée. Bah écoutez, c'est parti, c'est une mission pour Super Kiki, hein. On va tout rénover, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Une grande chambre, super. Bah, très bien, on va la revendre dans cet état, alors, si ça ne vous dérange pas, monsieur. Ça vous dérange pas? Très bien, la chambre, ce n'est pas... Ah oui, bah alors, eux, ils seront pas contents, parce qu'il n'y aura pas assez de chambre. Donc, c'est clairement pas une pièce pour eux. Hein. Pour le coup, c'est pas du tout une pièce pour eux. Hein. Oh, il y a tellement d'items. Ah non, ok, faut les vendre. C'est n'importe quoi, il y a tellement d'items. Oh là 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 là, la gueule des murs. C'est la première fois qu'on voit ça au sol, donc c'est complètement nouveau ça aussi. D'ailleurs, j'ai hâte que le DLC Garden sorte. Hein. À chaque fois, à chaque épisode, je vous le dis. J'ai hâte que le DLC Garden soit disponible. Ah, regardez, juste passe un petit coup comme ça. Regardez la petite satisfaction. Petite, certes, mais satisfaction quand même. Regardez ça. Au moins juste... Oh là là, il doit y avoir une odeur sur les murs. Je veux même pas imaginer. Mais en fait, là, il y a un gros problème de climatisation. Là, je pense que mes petits gens... Je vais vous poser une petite clim, ma petite dame, vous m'en direz des nouvelles. Parce que là, il y a clairement un problème d'aération. Hein. Il y a un gros problème d'aération, du coup, je vais même pas d'habitude, je ferme la porte pour travailler dans un endroit sain. Là, je vais laisser la porte ouverte, hein. Je pense que ça manque cruellement d'aération, hein, donc on va laisser la porte ouverte. Hein. Oh non, mais c'est dégueulasse. Qui vit dans... Qui vit... Vous avez déjà connu des maisons comme ça, les potes, ou pas? Moi, j'ai déjà connu une maison qui était pas comme ça, quoi. De la moisissure, oui, j'ai déjà vu des maisons qui ont de la moisissure. Mais carrément, des maisons comme ça, non, j'en ai jamais côtoyé. Oh la vache. Non, mais ça, c'est des coups à choper une maladie, je vous le dis. Hein. Ah bah, je vous le dis direct, là, on attrape des maladies. Hein. Oh là là. Ça me donne pas envie Mais ça me donne même pas envie de travailler là, en fait. Quand je vois la gueule du truc, j'ai pas du tout envie de travailler là. C'est aussi simple que ça. Je vois le truc, je fais « Ah ouais, mais non. » En fait, finalement, non. C'était fort sympathique, hein, je dis pas, mais... non. Ah, c'est dégueulasse. Il y a de la merde partout.
C'est pas compliqué, il y a de la merde partout. Oh là là, purée. Petit coup de balai. Mais même en fait, l'extérieur, tu peux le nettoyer facilement comme ça. En fait, regardez, hop. Là, je pense qu'en fait, ça, c'est des traces qu'il doit y avoir à l'extérieur. Mais quand on passe comme ça, ça... Pas de problème. Voilà, là, on voit qu'il y a des traces. Ok, là. Potentiellement. Voilà. Et là-bas, je vois qu'il y a une trace. Oh oui, il y en a plusieurs, même. Voilà. Déjà, il n'y a plus de traces. Par contre, bah, la peinture, on est d'accord. On va... Hein, on est d'accord, hein. On va... on va tout faire sauter. Même les portes sont infectées, hein. On va, là, faut tout dégager, les amis. Hein. Là, quand c'est comme ça, risque d'infection trop important. Hein. Alors, je sais pas ce qui est le plus dangereux, se faire attaquer, se faire mordre par un zombie, finalement, ou vivre dans cette maison. Je vous laisse le choix dans les commentaires. Hein. Vous me dites, hein, quel est le plus dangereux, finalement, être mordu par un zombac ou vivre à l'intérieur et choper une maladie, une grosse maladie dégueulasse. Parce que là, voilà, quoi. Hein. On va refaire le parquet. Ce sera très bien. Là, on va mettre un parquet peut-être un petit peu plus clair. On va apporter un petit peu de lumière dans cette maison. Ouais, c'est peut-être pas le plus beau parquet, je suis en train de me dire. Hein. Tac. Oh, si, ça passe. Par contre, il y a un truc qui me perturbe dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de plainte. Alors ça, ça me perturbe. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de plainte dans ce jeu. Je comprends pas. Alors que les plaintes, c'est un peu la base, quoi. C'est ce qui fait un parquet. C'est ce qui finit un parquet, j'ai envie de vous dire. Et là, non. On en a rien à foutre. Ils ont été en mode, non, mais on en a rien à foutre, nous. Foutez-nous la paix. Hein. Ok, ça va. Là, il faudra tout carreler. Et là, en fait, on avait deux salles de bain. On va pas faire deux salles de bain. On va mettre qu'une seule salle de bain, pour le coup, je pense. Hein. Ah, je pense. Hein. On va peut-être... ouais, je pense qu'on va mettre qu'une seule salle de bain. Ça sert à rien d'en mettre deux pour une petite maison comme ça. Personnellement, je vois pas l'intérêt d'en mettre deux. Donc du coup, au niveau des carreaux de carrelage, c'est vrai que bon, on n'a pas grand-chose en termes de carreaux de carrelage, mais on va mettre un petit truc bleu. Là, je pense qu'on va en faire... Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un double truc ici? Oui, bah alors dans ce cas-là, ça, ça sera la salle de bain. Voilà. Ça, ça sera la salle de bain. Oh là là, c'est quoi ce... Bon... On va peindre, dans un premier temps, on va passer sur la peinture au mur, on va peindre, on va mettre un petit bleu, allez un petit bleu, un petit truc, ah mais quoique ça n'irait pas du tout avec le sol, donc au niveau du sol finalement, ouais, au niveau du sol finalement on va le changer, parce que par rapport à ce que j'ai envie de faire là, je pense que ça n'ira pas du tout, donc on va mettre un parquet peut-être un peu plus comme ça, ouais, dans ces tons-ci. C'est dommage, hein, vivement qu'il y ait des mods qui apparaissent sur ce jeu parce que je pense vraiment qu'il peut y avoir des bêtes de trucs à faire. Je pense vraiment qu'il peut y avoir pas mal de trucs assez stylés à faire. Donc on va passer sur les murs et sans plus tarder on va prendre des couleurs. Donc par rapport à la peinture, déjà moi j'ai envie de partir sur un bleu. Un bleu, bleu nuit, oh là là, le cobalt il est trop beau. Le cobalt il est trop beau. Ah j'ai envie de partir sur un cobalt. Allez partons ici sur un cobalt. Ici on va dire que c'est une chambre, une grande chambre. Sur quoi on peut partir en termes de coloris là? Le rouge est badass, on va pas se mentir, le rouge il est badass. Moi j'ai envie de partir sur un brouillard, un gris. Moi j'aime bien les couleurs foncées aussi, moi je suis quelqu'un qui met énormément de couleurs foncées et qui adore les couleurs foncées aussi. Hein. Donc bon, on peut partir sur un gris. Ah le brouillard gris il me tente de fou. Alors on va partir sur un gris. Hein. Ça changera... Et là, bah là, on va en faire une chambre. Hein. Là, je pense qu'on va faire une grande chambre ou un bureau, un truc comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Je veux pas en faire une salle de bain. Je veux pas en faire une salle de bain. Quoique, j'aurais pu tricher et utiliser ça pour en faire une chambre et ça pour en faire une salle de bain. Ah, j'aurais pu tricher et faire ça, ouais. Ah, quoique, non, on va... Ah, je sais pas. On va voir, on va voir. Déjà, on va faire ça et puis on verra après ce qu'on peut faire par la suite. Donc, et après, au niveau des murs, là, on va partir sur... pas des panneaux, hein. Non, panneaux, ça va être... Ah, mais c'est vrai qu'on a des panneaux. On peut faire ça aussi. J'avais oublié, ça. J'utilise jamais les panneaux. On peut partir sur des panneaux aussi. Donc ça, on verra. Ce sera pour l'extérieur. Donc, peinture. Et là... Ah non, carrelage mural, pardon. Excusez-moi. Carrelage mural. Et le carrelage mural, bah, malheureusement, c'est pas ouf. On va faire un achat multiple. 1, 2, 3, 4... Pas 8 ans, il m'en faut 4, donc on va mettre 4. On va dire que c'est très bien 4. Donc, bah c'est parti les potes, hein, j'ai envie de vous dire.
Quand faut y aller, faut y aller, hein. Quand faut poser les... Mais c'est quoi cet effet perlé, là? Ils nous ont mis un espèce d'effet blanc sur le carrelage bleu. Moi, je voulais un carrelage bleu nuit. On se retrouve finalement avec un carrelage bleu, avec des espèces de... Je sais pas, de quoi, d'ailleurs, de... on dirait qu'il t'a jeté du sel sur le bordel. C'est moche, avec un espèce de maillot blanc, là. Bon, bah écoutez, ça restera comme ça, et puis c'est marrant. Alors, bien évidemment, notre personnage, on voit qu'il est calé en rénovation, mais ça s'arrête là, puisque il pose les carreaux par-dessus les champignons. Incroyable, il pose par-dessus les champignons, on en a rien à foutre. Si ça se déploie, s'il y en a de plus en plus, c'est pas grave, ça sera derrière les carreaux de carrelage, on en a rien à foutre. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. J'ai pas de mots, j'ai pas les mots. Ah, ça fait tellement vieux en plus. Elle est horrible cette maison, hein. J'aurais dû demander Mastune, hein, je vous le dis. J'espère vraiment que je vais me faire Mastune sur cette baraque. Hein. Parce qu'elle est tellement dégueulasse. Ceux qui me l'ont dit dans les commentaires, vas-y, qui kiffait là. Mais vous aviez quoi dans la tête? De toute façon, on va devoir toutes les faire, hein, les maisons. Hein. Mais quand même, hein. C'est bien moche. Tout est pourri et tout. Même l'extérieur, quoi, je vais devoir le refaire. Ça donne envie, y a pas de doute. On devrait, par contre, ça, je dirais que c'est un truc qui manque. Genre là, quand on voit les champignons et tout, je suis d'accord, ça mettrait beaucoup de temps. Mais finalement, le jeu met déjà masse temps à tout rénover et tout le bordel. Donc, il devrait faire un système, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, où, genre là, les champignons, on utilise un appareil, vous savez, pour décoller la tapisserie, tout décoller et tout. Ça, je trouve ça dommage. On devrait avoir un petit truc complémentaire. Et on l'a pas. C'est dommage. Ça manque. C'est quoi ce gros truc au-dessus, là? Je sais pas ce que c'est. C'est une alarme? Je sais pas ce que c'est. Tac. Oh, quand on voit l'état avant, et là, ce que je suis en train de faire, sans déconner, je devrais avoir un petit trophée de rénovation. Voilà, hop, on va le mettre comme ça, ça sera très bien. Et là, je sais pas ce que c'est en haut. C'est une clim, je sais pas, une ventilation, je sais pas. Bon, il y a une fenêtre là, ça c'est très bien. Et on va mettre peut-être des rideaux, quand même, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Bah voilà! Regardez-moi ça, c'est déjà beaucoup plus accueillant qu'avant, non? Vous en pensez quoi? Bon, il me reste encore, effectivement, peut-être des petites choses à améliorer. Mais c'est déjà beaucoup plus accueillant qu'avant. Alors, attendez, j'ai oublié un truc hyper important. Ah, le PQ, bah voilà. C'était ça que je voulais. Hyper important, il va rester coincé, le mec, sinon. Comment vous voulez qu'on fasse? Voilà, impeccable. Ça, c'est de toute beauté, les amis. Donc, par rapport à la lumière, on va la vendre. On va mettre un truc un peu plus chic. On va mettre un truc un peu moins moche quand même. Hein. Au niveau de la décoration, donc les lampes, qu'est-ce qu'on a au niveau des lampes de plafond? Bah, les lampes de plafond, franchement, il n'y en a pas 10 000 et je reviens toujours vers la même. Hein. En étant honnête, je reviens tout le temps vers la même, donc on va laisser ça. Oh, la gueule des interrupteurs. Les interrupteurs, je les vends, ils sont trop moches. Hein. Ils sont, sans déconner, ils sont trop moches, on est d'accord là. On va mettre les modernes. Je sais pas ce que ça fait la lumière moderne. Hein, si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner l'info. Hein. J'ai aucune idée de ce que la lumière moderne apporte en plus. Hein. Aucune idée. Oh, ah, il me faut du plâtre. Mais attendez. Oh la vache. J'avais pas vu ça. Il faut changer la prise là, ma petite dame. Oh là. Ah oui, quand je vois l'état, il va falloir changer la prise. Et du coup, bah ça, on peut vendre. Mais ça, du coup, on le garde. Et là, bah, on va mettre un lit, hein, tout simplement. On va mettre un petit lit. Ah, mais non. Oh, j'ai peut-être fait une connerie. Ah, oh, j'ai fait une connerie. C'est là que j'aurais dû faire là. Parce que sinon, je pète ça et là, je fais un grand salon. Hein. Ouais, vous savez quoi? Je vais péter le mur. Je vais péter le mur. On va faire un grand salon. Ah bah voilà. Bon, bah là, de nouveau, va falloir... Bon, bah là, je pense qu'au niveau du sol, on est d'accord pour dire qu'on va mettre tout la même couleur. Parce que bon, là, je pense vraiment que c'est pas ouf. Hein. Tac. Oh, c'est moche. Tac. Impeccable. Donc, du coup, là, bon, bah là, on va remettre, on va changer de couleur. Hein. Du coup, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, ici, je pense qu'on va vraiment faire un bureau. Comme ça, ils vont pouvoir mettre des étagères et tout le bordel. Ouais, un bureau, là, je pense que c'est très bien. Alors, les pieds, on va les laisser comme ça. Non, ça, on va peut-être le mettre en... Ouais, comme ça, c'est bien. Et le tiroir, après... Comme ça, c'est bien. Bah, d'ailleurs, ce que je me dis, ça prend grave de la place. Ah, merde! Il est à l'envers, ça va être compliqué de lire ses mails, le madame, s'il est à l'envers. Ça peut être un petit peu compliqué, effectivement. Donc, Ensuite, j'ai vu une tour, un truc.
Oh, la gueule des tours. Oh, quand tu vois le truc, j'ai l'impression de retourner... Oh, il y a beaucoup de temps en arrière. Oh oui. On va mettre une souris. Ah oui, un clavier, pardon. Oh là 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 là. Mais il n'y a même pas assez de place, dis donc. Eh ben si. Oh la vache, c'est moche, cet équipement. Et pourtant, je l'ai eu, cet équipement. Ce vieil équipement comme ça, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh la vache. Bibliothèque. Ah ouais, on va partir sur celle-là. A few moments later. Bah du coup voilà les amis, hein, je pense qu'on va pouvoir vendre, hein, c'est parti. Écoutez, je suis assez fière de moi, je vais vous faire le petit tour comme ça du proprio, je vais vous montrer. Bah déjà tout l'avant, on a tout recommencé, on a tout nettoyé autour et tout. On a reposé des lames. Ensuite ici, ah, ça fait vachement image, c'est trop bizarre. Ici du coup le salon, bon on aurait pu encore plus décorer, je l'admets, mais bon. On a quand même passé pas mal de temps dessus, hein, j'en suis déjà plus une heure de vidéo. Donc ici pas mal, bon petite zone pour se détendre, après ils peuvent moduler comme ils veulent, au pire petite cuisine juste ici. Ensuite ici, du coup, chambre avec bureau. Puis la chambre juste ici. Ils se démerdent pour les commodes. Et ensuite, bah là, c'est la même porte qui donne accès à la chambre. Et là, la petite salle de bain. Regardez, j'ai même fait des efforts, j'ai mis un rideau. Une serviette et tout. Donc voilà, petite salle de bain et tout. Voilà, assez propre. Donc on va pouvoir vendre la maison, les potes, sans plus tarder. C'est parti. Maison achetée pour 43 000. Le terrain autour d'un. Une maison de surface. La maison a 3 chambres, mais non. J'ai passé 1h03 dessus. Début de la vente aux enchères. C'est parti. Alors, il y a une grande chambre, c'est top. Je comprends pas à quoi pourrait bien me servir cette cuisine. Parfait, une chambre. Ses murs sont tout nus. Ah, bah, c'est parce qu'elle lui fallait de la déco, quoi. Ok, les locataires apprécient quand il y a 2 salles de bain. Très bien. Ça me plaît qu'il n'y ait qu'une chambre ici. À lui, il est d'accord direct. Un lit grand et confortable. Une seule chambre, parfait. Mais il me faut une pièce indépendante pour en faire mon bureau. Voilà. Une chambre pour moi, c'est suffisant. Les trous dans les murs, c'est pas mon truc. Quoi, les trous dans les murs? Les trous dans les murs, c'est pas mon truc. 3 chambres, c'est le nombre idéal? Quoi? Négocier l'offre. Moi, je la négocie. J'espère qu'il va être d'accord. Ok, il prend. Bim! Et bim! Qu'est-ce que tu dis, mon petit Michel, là? Je l'ai payé 43 000, je la revends 76 000, je me fais une négoce de 11 000, du coup, je me fais un bénéfice de 41 000. Et bim! C'est comme ça qu'on fait, les amis. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. On accepte l'offre et c'est bon. C'est vendu, les amis. C'est vendu. Fin de l'histoire. On n'en parle plus. Et bah voilà, nickel. Nouveau point de compétence. Si ça, c'est pas beau, au même moment, un petit point de compétence, dis donc. Exigence. Je ne sais pas parler exigence. Très compliqué à dire. Là, on a encore 12 éléments nettoyés pour pouvoir ranger plus rapidement. Démolition encore. On a pas mal de trucs à faire. Hein. Et le maçon, 25 murs de construit. Ok. Donc du coup, les amis, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous montre, comme d'habitude, les maisons que vous voulez que je fasse pour le prochain épisode. Donc, normalement, il y avait un fight entre la maison... Attendez, c'était laquelle ? Maison inoccupée. La maison inoccupée et la maison de la famille nombreuse. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle maison vous voulez que je fasse. Il y a pas mal de maisons. Hein. Il y a la maison elle-même, la maison des jeunes mariés, le royaume rose, maison inoccupée, la maison de la famille nombreuse, vieille maison avec bunker, garage avec bunker, ça en fait des bunkers. Neuve inachevée, la maison de la femme lunatique, casa de Cormiciente, la maison de l'administrateur légendaire, maison et voiture, la maison dont on a marre, la maison du connaisseur, la petite maison... de camping et la maison brûlée. Ça fait quand même beaucoup de maisons. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, les amis, à me dire quelle maison vous voulez que je fasse. En tout cas, j'en ai vendu déjà pas mal. Hein. Je suis à 570 000, ça fait plaisir. Du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode, les amis. J'espère entendre que ça vous aura plu. Je vous aime 3 fois 1000 comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner aux multiples réseaux sociaux qui sont listés juste en dessous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.